This contract comes out of Angola. That's right, Central Africa, where Emirate claimed they were working on a weapon to surpass Metal Gear. There's been a massive oil spill from Mafinda oil field. It's flowing into the river and contaminating the water supply. An environmental NGO has asked us to stop the spill by destroying the facility. Environmental activism isn't exactly our line of work, but it's not that simple either. Merci, the Momichi. Group operating the oil facility and causing the spill is the rebel group UNITA. And word has it that UNITA is getting supplied with U.S. military weapons. That sounds to me like Cypher's pulling their strings. Oh, ça commence à devenir compliqué, hein. It's time to give Cypher a little surprise. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, effectivement, un sniper silencieux dans la nuit noire obscure. Ah oui! Dans la nuit noire. Dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre. Vous en avez cogné contre les murs. En fait, je suis en train quand même de me demander si le sniper silencieux enfin, le sniper tranquillisant sans silencieux, c'est une bonne idée. Mais en même temps, je n'ai pas non plus envie de me poser beaucoup de questions. Donc, dans la nuit noire. C'est moi, il n'y avait que dès que possible, en fait. J'ai même pas fait gaffe. J'ai fait dès que possible machinalement, mais... Ah, on va aller voir l'Afrique. Africa Toto, quoi. Nuit noire, pitch dark. Came from intel. The target is Angola's Mfinda oil field, upstream from the landing point. A spill has covered the whole area in crude. A pipeline that crosses the Muneni River failed, and now the shore's a mess. Not to mention the villages downstream have no drinking water. Eh ouais, pas silencieux, c'est un peu con. Mais bon, au moins, on tuera pas les mecs. Oil runs to the pipeline from that facility. Taking it out should end the leak. The client this time is an environmental NGO. Destroy the facility. Stop that leak. This may seem like straight up philanthropy, but there's another reason we agreed to it. The Mafinda oil field was outdated, abandoned. Then the rebel group UNITA moved in, taking it upon themselves to kickstart operations. Ah, ils ont fait un Kickstarter? Ah, bah d'accord. Rumor has it someone's been selling them US military hardware. Intel's analysis suggests the brokers of front company, Cypher's. Keeping tabs on UNITA can tell us who's pulling its strings. Ah, ça change, hein, de l'Afghanistan. Et c'est ça qui est cool, du coup. On va voir un petit peu d'autres environnements. Wow. Bon, ça je crois que ça veut dire allez, arrête de faire joujou et va en mission. Ah, de la boue. Oh, c'est plein de boue, c'est dégueulasse la boue. Donc... On peut soit passer par ce camp, soit... arriver de l'autre côté, et j'ai presque envie de dire que ça serait mieux parce qu'il y a a priori beaucoup moins de monde. Ah, l'ambiance change, hein. On se croirait presque dans MGS3, en fait. Il y a un petit côté MGS3. Soldiers have become dogs of war.
sent to conflict zones as private forces, or PFs. Guys we fought alongside are dying all around the globe for no reason. No banner. But it's how they survive. The demand for PFs here in Africa is especially high. Cold War standoffs, resource exploitation, tribal clashes. What's big business for developed countries has only brought conflict here. That mess you're standing in is just the latest example. Ouais, beaucoup de choses. Elle parle le mode Nintendox. Ah oui, par contre, t'as moins de tempêtes de sable, ça c'est con. C'est pas un jeu d'infiltration. Ouais, voilà, je sais déjà où sont les plantes. Là, l'équipe de renseignement m'indique qu'il y a un ennemi pas loin. Ça serait bien si j'arrivais à récupérer ça, en fait. Je pense que c'est des plantes plus ou moins... propre à cette zone là. Il arrive à suivre Toutou. On dirait. Enemy presence detected. The map has been updated. Oula, oula, oula. Sors-moi la carte, s'il te plaît. Ok, il y a du monde. D'accord, il y a du monde. Ah, ça c'est une plante. C'est ça la fameuse plante qu'on voyait depuis tout à l'heure. Il y en a même deux d'ailleurs. Pourquoi je sais pas pourquoi il y a un P. Purpurea peut-être. Digital, d'accord. Ok, il y a de la carotte. Ici, double carotte. The map has been updated. Analysis complete. Mais techniquement en fait, je suis pas obligé de passer par là. Si, qu'est-ce que c'est que ça? Conteneur. Vous avez fermé la pompe de transfert, vous avez détruit le réservoir séparateur dans l'eau huileuse. Même la carotte est noire en Afrique. Oh, c'est... Ce jeu est raciste. Ah, de l'absinthe. Ce jeu est raciste. Je savais que j'aurais pas dû me relever, mais je l'ai fait quand même. Eh merde. Ça y est. L'infiltration commence. Comment il va venir celui-ci? Oh bordel de fion. Vas-y Toutou. Mais c'était pas sérieux. Comment tu tapes la pause? Hop, bon voyage mec. Et eux ils ont rien vu. Alors ils me voient à 3 km alors que je suis accroupi en train de faire caca.
Mais par contre, un mec danse sur un ballon. Osef, quoi, rien à foutre. Ah, lui, il est bien, lui, quand même. Il est rang A. Lui, il est un petit peu pourri. Il va où, lui? C'est pas le moment de faire une pause, mec. Voilà, le souci, donc, c'est que, certes, j'ai eu ma plante. Ok. Voilà. C'est comme ça qu'il fallait faire. Et il y a deux mecs qui sont en train de partir en patrouille, en fait. Genre à l'aise total. Du coup, moi, ça m'arrange. Parce que... Le petit jeu du racisme. Ouais, mais là, si je tombe par là, je vais me faire mal, non? Oh, c'est Big Boss, il en a vu d'autres. Ah, vous voyez? Ça se passe bien, cette affaire. Il s'endort jamais, en fait. Oh, puis allez, cadeau pour tout le monde. Quel tacticien. Non, vous avez vu, hein. Vous avez vu un petit peu. Ah, évidemment. Pourquoi c'est rouge? Pourquoi j'ai des animaux rouges? J'aime pas trop beaucoup ça. C'est quoi? C'est des serpents? J'arrive pas bien à voir. C'est des serpents. C'est des putains de serpents. Extraction arrived at Mother Base. Chacal. Oh, des chacals, des chacos parmi les... Des chacals parmi les chacos. On est en train de faire dodo, on dirait. Ouais, ouais, voilà, rouge car hostile. Fais dodo. T'as fait dodo, mon petit? Mais bon, le nounours, moi maintenant, ça me fait plus peur de ces conneries. Hein. Ça y est, c'est fini, moi. Enfin, depuis le nounours, je n'ai plus peur. Ils rapportent pas mal, les hostiles. Ah. Ça m'intéresse. Si on me parle pognon, moi, ça m'intéresse. Ça y est, ça brille. Et Max Boul... Max Boulaz dans la besace. Ah, on va faire un petit coucou, alors. Tant pis. Alors ils sont deux, c'est un petit peu ça le souci. Mais non, 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 non. Dodo. Dodo. Oui, t'es mignon. T'es mignon, mon titi.
Je fais bugger les animaux? C'est génial. Non mais ouais. C'est une sorte d'empathie avec les animaux, vous pouvez pas comprendre quoi. Les animaux me comprennent, je comprends les animaux. L'homme qui murmure. Là. Et ouais, non, mais c'est ça, vous pouvez. Qu'est-ce que vous croyez? Vous voyez, c'est ça le talent. Le talent, ça s'explique pas. Hein. Ça s'explique pas le talent. C'est comme ça, c'est inné. Salut Schulz, bienvenue à toi. J'espère que ça va bien. Bon, peut-être se relever quand même. Non mais sérieux Snake. On est loin quand même, hein. Ouais, c'est quoi? C'était quoi ça? Pêche d'Afrique. Ah ouais. Je vais marquer ici. Parce que c'est notre premier point. Et après ici, il y aura des trucs. Quoi qu'en fait, je peux tracer aussi. Genre, je vais au point B. Et après, je trace comme ça. Puisque je m'emmerde. Pas de spoil. Ça dépend. Là, je viens d'attaquer, on va dire, la deuxième zone du jeu. Je sais pas où t'en es en fait, toi. Il y a quand même plus de chances pour que ce soit vous qui me spoilez que l'inverse. Hein. Honnêtement. Ah. Ok. Ça veut dire. Infiltration. Chaco a flanrayé. Analysis complete. Ok, du coup, déploiement de combat, il me semble que je peux renvoyer mes mecs. Ouais, ça. Unit dispatched. Est-ce qu'il y a que... Oh, il y a une bagnole. Et ça, c'est cool. Ça, je vais pouvoir me déplacer. Je vais pouvoir... Quoi? Oh merde, je l'avais pas vu, lui. Oh, le con. Ok. Ok. Tu as fait cette mission avec le pétrole? Voilà. Il est où mon poney? Mon poney, je l'ai échangé contre un toutou. Un toutou complètement fumé qui détecte tout à 25 km. Ce qui est plutôt pratique. Je suis la nuit. Je suis la nuit. Est-ce que l'équipe de renseignement m'indique ou non? Visiblement. Ça parle de Diamond Dog. On n'a pas un des deux qui aurait décidé de bouger en fait? Non? Non? Vous avez envie de rester tous les deux ensemble en amoureux? C'est beau l'amour. C'est beau l'amour. Non, t'as rien vu. T'as rien vu, il s'est rien passé, mec. Il s'est juste rien passé. Attendez. Est-ce qu'il va me voir là? Est-ce qu'il peut me voir si je monte à l'échelle?
Mec, on se connaît pas, mais le prend pas mal. Ok, ça c'est fait, et du coup, le dernier. Le truc le plus simple. Hop! Oh, le vieux cri, alors qu'il est déjà complètement out of Africa. Non, je n'ai pas encore le traducteur africain. Hop. Est-ce qu'on pourrait pas récupérer quelques petits trucs ici? Hein? Ah bah oui. Évidemment, du carburant, je veux. Je veux mon neveu. Qu'est-ce qu'on a ici? Non mais rentre, Snake, s'il te plaît. Arrête de faire l'amour au mur. On n'y en a pas besoin. Putain, j'ai cru qu'il y avait le jour, alors qu'en fait non, c'est juste un... Le HDR qui déconne. Ah non, moi c'est vraiment ma première visite en Afrique. Hein. Voilà, je découvre. Animal repéré, ok. Je découvre les. Les saveurs locales. Ah bah oui. Et on va prendre la caisse. Hein. Je crois que c'est clair. Et ma question étant, est-ce que... Il y a des plantes. Déjà, un, il y a des plantes, donc ça, c'est super important. Est-ce que je vous ai déjà dit que les plantes, c'était super important? Quelle est la plante? Elle est là. Non? Ah non, je l'ai rêvé, je l'ai fumé. Allez, ah non, elle est ici. Mais l'autre elle est... Oh le con. En plus c'est une nouvelle quoi, je la connais pas. Je la connais pas. Où elle est? Ça? C'est ça. De la pêche d'Afrique. C'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est? Zizier. Ouais, c'est de la bébête locale, ça. Est-ce que... Oh ouais, on va pouvoir couper à travers champs. Là. Allez, j'y crois mort. Oh, la savonnette. Oh la vieille savonnette quoi. J'ai pas le niveau max non. J'ai pas le walker non plus. J'ai pistolet sien et savonnette. Voilà. Allez savonnette. Oh putain j'ai défoncé l'arbre. Mission d'infiltration. Oh, l'infiltration à son paroxysme. Ah, de la pluie. On n'a pas les tempêtes de sable, mais par contre, on a la pluie. Ok, on va s'arrêter là. 41 mètres, je pense qu'on est suffisamment près.
J'ai fait le boss en Afghanistan. J'imagine que si tu parles du Metal Gear, oui. Je ne fais qu'un avec la nature. Ok, merci, merci Toutou de... Oh là là, le Toutou qui marque absolument tout et n'importe quoi. Non mais il est juste OP ce chien, quoi. Ah, ça a l'air d'être de la bonne musique, ça. Ça a l'air d'être de la bonne musique. J'ai l'impression qu'il va me le falloir. Ok, là, on a... Ça. T'es qui, toi? T'es qui, le pigeon? Ah, de la pluie. Ah non, merde, ça va me laver. Ah non. Ah, j'ai pas envie d'être propre, moi. Wouah, toi t'es craqué mec. Moi j'ai besoin de toi dans mon équipe. Attends mec, je vais te marquer. Mais non, même pas marketplace, c'est pas une place cet homme-là, voyons. Ok, il y a toujours le mec qui est à l'intérieur, ça. Ah, Rain. La pluie limite l'audition, discipline vos bruits de pattes dans une certaine mesure, ce qui vous permet de vous déplacer à n'importe quelle vitesse sans être entendu pour peu que vous adoptiez une posture basse. D'accord. Par où qu'est-ce qu'on va infiltrer cette petite base? Il y a moult ennemis encore. Hein. Ouah, mais c'est. Il y a du monde, merde. D-Dog, il a repéré encore un ennemi. Merci, Toutou. Ouais, je te veux. Ouais, elle est plutôt up, ma base. Est-ce que je fais un Fulton pour. Est-ce que je fais un Ravito ou pas? J'ai que 22 balles, mais j'ai surtout un silencieux qui est déjà à la moitié de sa vie. Je suis pas sûr qu'il tienne très longtemps, en fait. Après, si j'arrive à la jouer serpent solide à mort, ça devrait le faire. Ah, c'est bien ce que je me disais, c'est des mecs, ça. Ça, il faut le dégommer. Ok, bon. À l'infiltration. L'infiltration bazooka, j'avoue. J'avoue. Ah, Snake fait l'amour au... Ok. Mais sinon, plutôt que faire ça, ça te dirait pas de... Ah, excusez-moi, je tente les out of bounds, hein. Excusez-moi. Oh merde. Eh merde, j'ai pas réussi à le... Tiens, entre fiches, mais je l'ai marqué. Je vais essayer d'infiltrer par ce côté-là. Ça a l'air d'être un petit peu plus ouvert.
Analysis complete. Analysis complete. Oui, il court, lui. Ah, je croyais qu'il courait. Est-ce que je peux grimper sur ces grandes barrières ? Ah non. Ah ça c'est con par contre. Ça c'est cul. Ah attendez. Il y a une poubelle. Ça ça veut dire que par ici je peux m'infiltrer. Ok par là j'ai pas le droit. Fais dodo mon petit frère. Fais dodo, que t'es mon petit frère. Fais dodo, tu infiltres. Si tu veux le Walker et que t'as pas fait Fulton Max, tu as pas le Fulton Max, tu en piques un et tu restes dessus en sortant de la zone de danger. Après, tu peux l'avoir, d'accord. Oh, bah c'est pas grave. Hein. Ah, mais y'en a qui dorment là. T'es quoi, mec? T'es bien ou t'es pas bien? Ouais, oh, t'es pas trop mal, hein. Mais 80%, moi, je suis sûr que tu vas y arriver. Je crois en tes possibilités, mec. Ah non, par contre, si les autres, ils sont au courant, ça m'arrange pas. Et merci The Grey Fox, merci beaucoup pour le follow. Oh merde, oh, toi t'es un casque, t'as tout la tir. Oh tu vas être casse-couille. Ok c'est bon. Il va rien piger. Par là, mon gars. Par là. C'est par là que je te veux. Bonsoir, Oli. Merci pour le host, Oli. Merci beaucoup. Et ben, bonne nuit. Bonne nuit, Schulz. Merci d'être passé. Merci pour les quelques conseils. Ok. Alors là, ce qui serait bien, en fait... Est-ce que... Ok, il y a encore un mec ici. Alors là, je sens que je suis en train de peut-être faire une grosse connerie. Mais... 54 mètres. Analysis complete. 54 mètres, mais qui regarde dans la bonne direction. Ça m'arrange moyen. You have arrived at your destination. Ah non, vous avez pas le droit de vous réveiller maintenant. Ah non. Oh mais merde, mais non, mais les gars, mais non. Oh tiens, une plateforme. Oula, ça lag. Non, le jeu, non. Les conteneurs ça?
Ok. Ok. Et donc là, je peux prendre le truc? Ok, c'est cool. Là, ça lag. Non, 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 ne me fais pas du 1 FPS. Non, ne me fais pas du... Non, ne me fais pas du 1 FPS. Attendez, je vais me faire se déconnecter, en fait. Déjà, peut-être, ça va aider. C'est déjà 2 heures dans le jeu. Là, le problème, c'est que le jour va ensuite... Bloody Mose Distinguished Service Medal. Putain, mais les mecs, ils déconnent zéro en mission. Please select a mission. Unit dispatched. Unit dispatched. Je l'ai loupé, bordel de fion. Ça va peut-être me servir en fait. J'ai loupé, mais ça va peut-être me servir. Faut pédaler plus vite, crackboule. Merde, quel ennemi il a repéré? Putain, il y en a un juste là. Je vois rien, je vois où je vais. Voilà. Entre par là, mon copain. Viens faire dodo. Oh putain, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? 39 mètres, si jamais je le fais le tonne maintenant, ils vont l'entendre. Fais dodo. 45 mètres. Il y a tellement de monde dans ce coin. C'est la merde. Allez, barrez-vous, là. Barrez-vous les cons. Ah ouais, allez faire dodo. Ah ça, c'est une super bonne idée par contre. Ok, 50. À 60 mètres, je tente. On est à 57, donc bon, allez, c'est parti. Ok, il n'y en a pas un qui a capté et je vais retenter mon affaire avec les deux qui dorment. Si je pourrais en avoir deux gratos là comme ça, ça serait juste parfait. Coucou les gens. On va faire. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, mec. Je veux pas t'entendre.
Est-ce que je suis fou et je le fais là? Attendez. Je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Non, non. Voilà. Non, mais sérieusement. Non, sérieusement. Merci. Et salut, Cell. Bienvenue à toi. J'espère que ça va bien. Alors là, totale discrétion. Oh putain, mais les mecs, ils entendent que dalle, quoi. Les mecs entendent que dalle. Les petits chinois, c'est plus ce que c'était. Lui, en fait, il est gratuit. Je vais m'en occuper, comme ça, on n'entendra plus parler. Ah non! Ah non! T'étais censé lever les bras, mec. Ah non, t'étais pas censé me faire un mode réflexe à la con. Par contre, je vais bientôt manquer de Fulton à force de tout embarquer. Et bon. Il y a un moment, ça va se voir. Oh merde, attendez, il y a un truc ici que je peux péter. Je vais de ce pas commencer à placer des petits cadeaux. Qu'est-ce que c'est ça? Non, d'accord. Je crois que c'était un truc à récupérer, mais en fait, pas du tout. Je me suis auto-mind-gamé. Par contre, je suis pas rentré ici, au fait. Et j'ai pas pu s'explorer les l'autre truc. Ah là, une cassette, c'est clair. Dog, il repère absolument tout à 25 km. Ok, là aussi, il y a un truc à péter, donc. Je veux pas juste le placer sur ça, sérieusement. Bon, tant pis. Je pense que de là, ça fera effet. Quiet Life. Ok, ça c'est fait. Pff, oh merde. C'est qui m'a vu? Qui m'a vu? Ferme la porte. Voilà. Prends le flingue. Et attends. Et vas-y, viens que je te fasse un petit CQC dans ta tronche. Alors ça te... Oh le con. Oh le con. Oui. Vole mon ami, vole. Les mecs, ils voient que dalle, quoi. C'est bon, ça bon, mon gars. Ok, il y en a un qui va peut-être approcher. Est-ce qu'il y avait autre chose à prendre ici? Ben oui. Et en plus, il y avait un plan. Cabarga. Parfait. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Et est-ce qu'il va me voir ce con? J'ai pas l'impression.
J'ai pas l'impression qu'il soit motivé à me mater. Oh là là, attendez. Attendez, il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen d'avoir trois mecs d'un coup. Reste là, mec. Ok, 1, 2, il y a le troisième qui arrive juste derrière. Tu bouges pas. Tu bouges pas, Canigou. Je t'ai dit de pas bouger. Ok. L'autre, il va dormir, non? Il va dormir, ce con. C'est parfait. C'est parfait. On va attendre qu'il se couche. Et on va lui refaire le coup de la savate. Non, je voulais pas. C'est... Oh, bordel. Bordel de... Merci. Voilà, c'est ça que je voulais que tu fasses. Hop. Cadeau. Hop. Cadeau. Et l'autre à 80 et quelques mètres. Qu'est-ce qu'il va foutre? Il y a tellement moyen de le choper, lui. Il y a tellement moyen de lui mettre la petite misère. La petite misère dans la prairie. Ok. Les autres là-bas à 40 mètres, ils voient que dalle. Oh merde, le soleil. Ça par contre, c'est pas bien. Ça par contre, je vous le dis, c'est pas bien. Plus que 3 fulltons, du coup il va falloir que je demande du rapprovisionnement. Ils ont vu quelque chose, eux? Ou ils couraient juste comme des goliots pour le fun? Ah ouais, non, là on va commencer un petit peu trop bien me voir en fait. J'aime pas trop beaucoup ça. 50 mètres, 50 mètres. Et rentre dans la baraque. Je pourrais les défoncer juste avec le C4 en fait. Mais ça serait pas très infiltration. Par contre, je peux les attendre à la sortie. Hop.
Allez, fais pas ta mijaurée, viens voir. Viens voir, tu vas voir, c'est rigolo. Allez, mais bouge ton boule, mec. Putain de merde, on m'a vu. Non mais t'as rien vu, mec. T'as juste rien vu. Je te jure, t'as rien vu. Regarde, regarde, regarde. T'as rien vu. Ah non mais je vous dis, c'est de l'infiltration, mais ils sont endormis les deux. Et les deux sont endormis, il me faut Ravito. Et il me faut Ravito. Bon, par contre le problème c'est qu'ils ont dû passer en une... Je sais pas quel niveau d'alerte, mais... Ah mec, t'as rien, t'as juste rien vu, mec. Je te jure que t'as rien vu. Mec, t'as rien vu. T'as rien vu, mec. Je me file, fils de pute. Je vais te mettre la misère, fils de pute. Ok, de la pluie, ça, ça me va. Du coup, hop. Petit cadeau voyage. Vite, 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 vite. Oh, ça va pas être discret, mais j'en ai juste rien à foutre là. Et où, mec? Y'a plus que lui en fait. Attends. Attendez, y'a plus que lui. John Amboya. Mais en fait, y'a plus que lui. Bah écoute mec, si tu veux pas venir, moi je vais m'occuper de ton pote, hein. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis, mec. Ah, c'est super chaud à gérer les don't press anything. Hein. Là, demain j'aurai à peu près tout ce qu'il me faudra. Quoique en fait, je pourrais même les faire là, je pense. Mais c'est super chaud à gérer, hein. C'est vraiment super chaud à gérer ce genre de choses, j'avoue. You gotta extract
Ok, je vais encore poser une petite charge et après je pense que je vais tout faire péter. Ça va être rigolo. Petit feu d'artifice. Petit feu d'artifice gratuit. Ah, mais t'es tout seul, mec. Oh, bah écoute. Voilà. Sérieusement. Sérieusement, il est pas dur ce jeu. Voilà. Mais c'est tout. J'ai détruit les 4 trucs. Ma foi. Explosion. C'est quoi tout ce qui est marqué là? D'accord, c'est plein de trucs que je peux extraire. Je peux extraire. Ah ça par contre je peux pas l'extraire. Si? Attendez. Ouais non, il me faut le niveau 2 du Fulton. Et je l'ai pas. Oh, 80%. Oh. Ah, ça a foiré. Est-ce que ça a été détruit? Ah bah ça a été foiré aussi. Oh, c'est ballot. Ça a été détruit et Ah ouais, ça aussi. Bon bah ma foi. Je te fais péter, chef. Je te fais péter. Ce chier, mon général, ce chier. Là-dedans, je suis pas allé voir. Sérieux, tu veux pas le reconnaître à travers la grille? Oh, t'es chiant, Snake. T'es chiant. Hop. Maintenant, on peut loot, hein. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est bon. Eh ben bonjour Phénixian, tu n'as rien fait en Afrique? Ah, désolé. Eh ben bonjour et à bientôt alors. Je commence juste, donc tu peux encore me rattraper. Il n'y a pas de souci, mais effectivement, ce serait bête de te spoiler légèrement. Même si je pense que niveau histoire, là, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire. Eh bien, bonne soirée, Phénixian, merci beaucoup. En tout cas, d'être passé. Est-ce qu'avec deux charges, ça passe? Ouais, ça te semble bien, j'en ai. J'en ai, mec. Bah merci, non mais je suis quand même pas, je veux bien, je suis pas une lumière, mais je suis pas non plus complètement débile, quoi. Je vais pas le faire péter alors que je suis à côté. Par contre, je veux bien explorer. Ça, samedi. Mais ça va, c'est bon, ils sont tous dans les vapes là, ils sont tous chez nous. Je les ai ramenés. Ah, oh, ça serait cool si j'arrivais à le ramener lui. Mais je suis pas sûr que là où il est, je puisse faire grand chose. Est-ce que je peux y accéder?
Une échelle, je crois. Non ? Non, il n'y a pas d'échelle. Ok, c'est pas grave. Il est où l'autre truc ? Ah, 20 mètres, d'accord. Encore ? Bon, d'accord, allez. Ah, je crois que ça fait boum. Ah, tu fous les missions secondaires, ok. D'accord. Ouais, super. Super. C'était bien la peine de clean le camp. Oui, alors d'accord, mais c'est où ? Les mecs dorment encore. Explosion. There's the transfer pump control room. The emergency stop button is probably inside it. Et donc maintenant, il va falloir que j'arrive à me barrer. Ça bloque tout le niveau. L'impression de faire du C++. Je préfère donc prévenir. Oui, d'accord. Charmant. Oil transfer pump shut off confirmed. Objectives complete. But the enemy is Titan security. Get out of there ASAP. Deux jours, hein. J'ai peur de rien, moi. Super, on m'attend à la sortie. C'est génial, on m'attend à la sortie. Je suis super content. Donc j'imagine que de l'autre côté ça va être la même histoire. C'est tout, au moins ils sont que trois. Analysis complete. Analysis complete. Ils sont que trois. Le comité de départ, qu'ils soient attentionnés. C'est ça. Allez mec, si on faisait un petit pot de départ pour Snake, il vient de défoncer tous nos potes, moi je trouve que ça serait sympa. Ah, l'Afrique, la tradition de l'accueil. Oh, bon, les animaux c'est bien dit Dog, mais sérieusement, si tu pouvais me repérer des ennemis... Je t'en serais gré. Ils sont où les copains? Ils sont où les copains?
Ils sont là, les copains. Le petit copain. Non mais vas-y, scanne-le, quoi. Oh non mais sérieusement. Comment qu'on va faire pour se barrer? Ouais, se barrer. Alors, attendez. Déjà, petite question, il faut que j'aille où? Déjà, j'ai loupé des plantes. Faute. Sur PC. Mais pas le mien. Mes PC. Ah, il y a un mec qui disait que le chien servait à rien. D'accord. Putain, putain, le chien, putain. Qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est pas assez bien, le chien. Je vais essayer d'aller voir par là. Même si je sens que je vais me faire repérer comme un con. Et que je vais avoir l'air bien con, justement, bien bête. Ah, ben merci. Arme repérée, ennemi repéré, d'accord. Ok. Il est midi. Il est midi. Vous êtes bien sur Radio Renard. Et on va tout de suite rencontrer des petits enfoirés. Ah non, mais non, par contre, ne te déplace pas debout. Par contre, ils sont bien, hein. Ils attendent et tout, ils sont disciplinés, je trouve ça bien. Mec, je t'avais pas scanné. Merci. Ouais, il faudrait que je me barre par là. La question c'est, est-ce que je vais pouvoir le faire sans me faire repérer ? Retundra. J'espère que ça va bien depuis tout à l'heure. Oui, une porte. Elle mène où, la porte? D'accord. Elle mène nulle part, on peut pas y aller. Comme ça, c'est fait. Vous êtes bien les mecs. Hein. Sérieusement, changez rien. Et pas un troisième? Ah non, d'accord, il y a que deux Walker Gear ici? Je trouve ça chelou. Je trouve ça chelou. L'orage a l'air bon. Pour l'instant. De toute façon, je m'étais dit que peut-être à 23h ça le ferait pas. Après, peut-être qu'après cette mission, je vais peut-être pas faire grand chose d'autre. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai le droit d'aller là-dedans? Parce que si je peux, c'est pété. Je peux. Sérieux, mec? Je prendrais bien Walker Gear, mais je sens que je vais faire une connerie si je tente. Allez, salut les mecs, hein. Changez rien. S'ils alignent leur fio, je tente mon coup. La côte bien placée, c'est ça. Ah, les mecs, ils déconnent zéro, hein. Escorter le président 320. Ah, ça.
petit A et B. Ah ouais. Ah, ça déconne zéro, mec. Unit dispatched. Unit dispatched. Excusez-moi hein, pendant que je fais mes petites emplettes. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié, mais au début de ce stream, maintenant je crois que il y a eu des follow depuis. Oui, il y a eu The Grey Fox qui a follow. Il y avait 666 followers, c'était pendant quelques instants. On a été. Enfin, c'était le stream du diable. Mais je crois que ça y est, on n'est plus à 666 followers maintenant. C'est fini ces conneries. Y a personne ici? Alors, c'est pas tout ça. Alors déjà, peut-être que j'ai envie d'essayer de retrouver ma petite bagnole. Mais surtout... Eléoléléco. Ah oui, mais merde, mais... Me dites pas que je me suis fait chier pour rien. Ça me saoule tellement que je vais y retourner. Je me suis fait chier à péter le truc. C'est pas grave. Merci Craig Bull, merci. Ouais, ils vont shoot l'hélico, effectivement. Est-ce que j'essaie de reprendre ma savonnette? Elle est où ma savonnette? Ouais, elle est un peu loin ma savonnette. Mais j'aurais été au milieu, l'hélico se serait posé, tout ça, ça aurait été pété quoi. Le loot je prends. 20 secondes de délai, c'est énorme pour une discussion, ouais. Ouais. C'est clair. C'est clair. Je pense qu'ils auront du mal à m'entendre et je me demande si je vais pas reprendre ma savonnette en fait. Du coup. Mais non, c'est l'accélérateur, mec. En tout cas, ces soldats sont vraiment très urbains de ne pas entrer dans la base, en fait. Et de rester bien sagement à l'extérieur. En plus un peu d'absinthe. Il n'y a pas d'autres trucs. Oh mais oui, mais voilà. Attendez les mecs. Bougez pas, hein. Bougez pas les mecs. J'ai juste des petites carottes à récupérer. Je fais le jardin. Ouais, non mais c'est ça, on oublie souvent l'action en fait. C'est ça le truc. Non mais sérieusement, c'était une mission bien exécutée là. Et vous allez voir, j'ai pu choper un rang haut. J'ai quand même eu des réflexes.
Je sais pas si l'alerte a été donnée, je pense pas. Mais Farming Simulator. Voilà, là, mais tant de trucs quasi à mission. Oh là là, canon Gatling. Ah, hey, pendant un moment j'ai cru OS, mais oui, il a stream, crack, il a stream. Bon, petit rang, excusez-moi, quoi, quand même. 80% de précision. J'ai tiré que 15 fois, mine de rien. Zéro alerte. Bon, le mode réflexe, évidemment. Pas d'alerte ennemie, pas d'essai. Bon, zéro mort. Discrétion totale, bon. 1h15 de mission. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Évidemment, 1h15 de mission. Même le rang A t'étonne. Non, mais moi, j'aime bien prendre mon temps. On est bien, on est posé, quoi. Agadé. Ah si, il y a quand même des éclairs. Hein. Il y a quand même des petits éclairs, je viens de voir. Boss, we took another look into Sainer, the owner of the oil field. They were behind what happened. They hired the PF, not United. They restarted the facility all the while pretending they were the victims. One other thing. Sainer's Johannesburg head office is just a room in a multi-tenant building. Company's essentially non-existent. 3 years ago, that investment fund stepped in and started gutting it through a series of mergers and sell-offs. And get this, the fund itself no longer exists either. It's a shell corporation, meaning someone is just using Sainer's name from the shadows. Just what the hell were they doing over there? À mon avis, ces corps-là, ça devait être des sortes d'essais pour. Par rapport aux Skulls, j'imagine. C'est l'heure de changer de jeu. Mais je pense qu'en fait, c'est pas de changer de jeu qui va se passer, c'est que je risque d'arrêter le stream dans pas très longtemps. The NGO that asked us to rescue wild animals isn't ready to take them in yet. So we had no choice but to build an animal conservation platform. The NGO said they'll cover all expenses, including the day-to-day housing and feeding costs. If you're interested, take a chopper over and have a look. Sérieux? Plateforme zoologique. On peut maintenant développer l'armement pour le D-Walker, mais j'ai pas le D-Walker. Oui, maintenant. Snake, I've customized a walker gear just for you. It features a silent running system, great for infiltration missions, and you can also summon it to your location. I've taken the liberty of calling it the D-Walker. It's armed with a suppressed tranquilizer gun. If you want to add other weaponry or upgrade the chassis, give the order from your iDroid. Ok, d'accord. Vantard, d'accord. Vantard, langue française. D'accord. Moult B. Moult C1D. Le Dick Walker. Bah, y a un petit orage, ouais. Ouais, un petit orage. Boss, I've updated the mission list. We received a new job offer. It doesn't seem connected to Cypher or Skullface at all. But if it goes well, we may get an Afrikaans interpreter. The details are on your iDroid. Merde, mais en fait, j'ai vraiment été lavé par la pluie. J'ai vraiment été lavé par la pluie en fait. Lance la Wii U. Ah ouais, mais non, là, ça se rapproche grandement. Très souvent, les Français sont très vantards, c'est pas déconné. Non. Pourquoi? Je ne comprends pas. Lingua Franca. Eh tiens. Ah, l'interprète Afrikaans qui travaille avec l'interrogateur au camp. Sauver le prisonnier britannique surnommé le Vicomte.
Ok. Ça sera pour une autre fois. Déploiement de combat. Encore 6 minutes. Je pense pas quoi. Ouais. Je peux pas faire mieux. Liste secondaire. Du coup, on a peut-être débloqué. Extrait l'armurier légendaire. Tire dans les zones de conflit. L'armurier légendaire. Oh, ça m'intéresse. L'armurier des gens. Ouais, j'irai peut-être voir ça. J'irai peut-être la faire. Une autre fois. J'ai pas vraiment de prise antifo. Et puis le problème, c'est que il me faudrait surtout un onduleur en fait. C'est ça qu'il me faudrait. Pour être sûr que le matos est protégé. Et. Parce que l'antifoudre, certes, ça peut protéger un petit peu, mais ça protège pas des surtensions, enfin des variations de tension, ce genre de truc. Ça peut arriver avec un orage. Et je pense que j'ai quelques équipements au fil des années qui n'ont pas aimé certains orages, pas parce qu'ils étaient, pas parce qu'ils ont pris la foudre, mais des trucs. Cause d'effets secondaires ou ce genre de choses, je pense. Donc bon, on va voir. Ah, mais des récompenses évidemment, parce que là j'ai dû gagner moult personnes. Alors déjà j'ai perdu un mec, mais j'en récupère plein en fait. J'ai perdu qu'une seule personne dans tout ça. C'est cool. Ça, ça par colle. Par contre, gestion de la base, je pense que je pourrais construire des trucs. Ah ouais. Ouais. Peut-être une unité de combat, du coup. La R&D, on a certainement pas encore assez de réserve de carburant. Ouais, mais je suis millionnaire en PIM. D'accord, il faut que je fasse l'armurier. Ok, on fera l'armurier, ce sera le prochain truc qu'on fera. C'est obligé. Je pense que je vais développer là. Commencing platform construction. Peut-être une plateforme de renseignement aussi. Oui, mais je comprends, Cragboule, je comprends, non, mais je vais le faire. Je vais le faire. Plateforme de renseignement purée. Des putains d'éclairs. En même temps, avec D-Dog, le renseignement, bon. Mais si à un moment on enlève D-Dog, ça sera peut-être pas plus mal. Ok, ça c'est fait. Recherche et développement. Ne t'inquiète pas, Yamas. Ne t'inquiète pas. Waouh. Alors, le Diors, on peut rien faire. D-Dog, on ne peut rien faire non plus. Ça va être pour le D-Walker. On va pouvoir les casiers à munitions, donc. Plus de munitions. Chargement auto. Tête de reco, bras manip, projection et frappe, d'accord, fonction CQC, wait what, pistolet WUS personnalisé pour Walker Gear, ok. D'accord, c'est des armes spécifiques Walker Gear.
Canon Gatling. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on peut faire aussi. Wow. J'ai des petites interférences. Tac, tac. Le lance-flamme. Oh putain, le lance-flamme. T'es sérieux, le lance-flamme? Pas mal du tout.